Autoplus est toujours au mondial pour vous présenter ce SUV, le nouveau Ford Capri. Sous son nom iconique, vous avez désormais un SUV 100% électrique au style novateur avec des hommages au coupé sportif des années 70. Alors même si nous sommes très loin du coupé sportif de 1970, qu'est-ce que Ford nous réserve avec ce Capri? C'est ce que nous allons voir tout de suite. La face avant de ce SUV Ford Capri est assez originale et ça se rapproche de ce qu'on avait pu déjà voir sur le Ford Explorer. Vous remarquez ces phares ronds intégrés directement dans le bandeau noir, une touche rétro qui rappelle le modèle des années 70. Pour le reste de la face avant, on remarque le nom du modèle inscrit ici en touffelette, ce qui est quand même assez original. Sur la partie basse, on remarque cette grande pièce en noir brillant et ses deux lamelles juste ici. Pour finir, vous avez deux entrées d'air à chaque extrémité du pare-choc qui sont bien réelles. De profil, on remarque sa ligne de toit fuyante et ses vitres arrière arrondies. Un clin d'œil au modèle du passé. Ce Capri reste un SUV résolument moderne. Il est tout de même imposant avec 4,64 m de long, 1,87 m de large et 1,63 m de haut. Pour le lancement, Ford a choisi cette couleur jaune qui est un hommage à la version RS des années 70. Ce qu'on peut remarquer enfin sur le profil, c'est ses bas de caisse en noir laqué qui affine visuellement la silhouette du Capri, ce qui nous ferait presque penser à une berline surélevée. À l'arrière, le Capri reste résolument classique. On remarque vraiment cette coupe façon fastback avec ce grand bandeau lumineux dans lequel est inscrit le nom du modèle en toutes lettres. Bien que le Capri soit un SUV coupé, le coffre, quant à lui, est tout de même généreux. Avec une large ouverture et un plancher à plusieurs niveaux, le volume de coffre est de 572 litres en configuration normale. En parlant de praticité, le Capri en regorge puisque dans la console centrale, vous avez énormément d'espace. Vous pouvez même ici relever le porte-gobelet pour encore plus d'espace de rangement. Les passagers arrière ne seront pas en reste pour autant. Vous avez quand même pas mal d'espace malgré que le Capri soit un SUV coupé. Et ça, c'est parfait pour les longs trajets. Côté motorisation, Ford propose plusieurs versions du Capri. Une version propulsion développant 286 chevaux avec une batterie de 77 kWh, offrant une autonomie impressionnante de 627 km. Pour ceux qui souhaiteraient plus de puissance, vous pouvez opter pour la version à 4 roues motrices avec 340 chevaux et une autonomie de 592 km. Les deux versions sont déjà disponibles à la commande à partir de 49 400 euros. Pour la version propulsion et 56 400 euros pour la version à 4 roues motrices. Concernant les valeurs d'autonomie, nous attendrons les mesures du labo Autoplus pour en avoir le cœur net. C'est à présent la fin de cette vidéo. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître votre avis sur ce SUV Capri. Pour cela, rendez-vous en commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Autoplus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.